le destin du soldat. Il incombe aux membres de l'Imperium d'élever, d'entraîner et d'équiper assez de soldats pour s'acquitter de la dîme du Departamento Munitorium. Tout manquement à cet engagement expose à des conséquences funestes. Tous les gouverneurs, ou presque, veillent à atteindre les quotas exigés en parquant des masses de leurs administrés dans des gros porteurs avec une régularité horlogère. Or, la qualité de l'entraînement, de l'équipement et des soldats varie. Chanceux est le garde impérial qui part au front, fin prêt à combattre. Certains mondes n'ont pas les bases technologiques adéquates et il n'est pas rare que des troupes montent dans leurs navettes armées d'épées ou de lances ou vêtues de fourrures. D'autres mondes se servent de leur dîme pour se débarrasser des indésirables en déversant détenus et malfrats dans l'Astra Militorium. Par ailleurs, certains mondes au climat et aux conditions extrêmes engendrent des soldats résistants à certains environnements mais inadaptés à d'autres. Plus d'une fois, les rustiques et régiments de la garde de glace du Valhalla se sont retrouvés paralysés après avoir été déployés sur des mondes désertiques. La situation de l'humanité est trop désespérée et le temps trop court pour se plaindre. Les soldats de l'Astra Militorium doivent se contenter de leur lot, tout comme l'Astra Militorium doit se contenter d'eux.